excuses ou est-ce que je vous en trouve pas? Bon bah, je vous en trouve pas. Vous voyez, j'ai été chez Action. À la base, pour prendre un truc dont j'avais vraiment besoin, que je vais pas vous présenter, c'est un truc du quotidien. J'ai évidemment passé dans le rayon scrap. Et je vais pas vous les montrer tout de suite. D'ailleurs, je les cache parce que celles qui ont de bons yeux vont les voir. J'ai trouvé des petites choses sympas, nouvelles. Enfin, en tout cas pour moi, nouvelles. Et j'ai trouvé les deux dice que je voulais et que je n'avais pas trouvé la dernière fois. Donc, je commence par vous présenter les dice. J'ai pas eu le temps de faire les découpes. Là, c'est pas un haul bien préparé comme d'habitude, parce que je suis hyper pressée, mais je voulais vous présenter les nouveautés avant de partir. Donc, ici, nous avons les petites maisons. Je n'ai même pas pris la peine de mettre les prix. C'est 2,99€. Donc, j'essaie de vous montrer, voilà, le rendu à l'arrière. Et alors, je voulais celui avec le feuillage. Les deux ou trois autres modèles qui restent, moi, je les achèterai pas. Ça ne m'intéressait pas, comme je vous l'avais dit dans le dernier haul. Je voulais également trouver les nouveaux tampons que je n'ai pas trouvé, mais je suis tombée sur ceci. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu. Je ne sais pas si c'est hyper vieux et que c'est un fond de stock qui est remonté. J'en sais rien du tout. Mais j'avais jamais vu ce tampon-là. Et j'essaye de vous trouver le prix en même temps. Évidemment qu'on essaye d'aller vite, on ne trouve pas. Écoutez. Pochoir de découpe. Ah voilà. 1,95€. Moi, sincèrement, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous... Désolée pour le bruit. J'essaye de filmer dans le calme, mais ce n'est pas évident. Donc, voilà pour ceci. Alors... Je ne les ai pas ouvertes, je vais vous les ouvrir en vitesse. J'avais acheté les dentelles à 79 centimes et je vous avais dit que si je trouvais d'autres modèles, je prendrais les autres. Désolée, je fais mon petit... J'essaye d'ouvrir les plexis qui est autour pour pouvoir vous montrer. Bon, ici, j'ai pris dans les beiges. Je ne sais pas... Si dans l'angle vous voyez les autres que j'avais pris, elles sont là. J'avais pris deux blanches, une bleue, une rose. Ici, je suis restée dans le beige, car comme je fais quand même pas mal de vintage. Voilà. Oh, papier colle à mes mains. Alors, dans les 2 mètres, dans les larges, j'ai pris celle-ci en beige. En fait, j'ai pris la même en blanc. La grosse blanche que je vous ai présentée, j'ai repris la même en beige. Là, elle va rejoindre les autres. Dans les plus fines, j'ai pris celle-ci. Et dans les fines, bon, celle-ci, c'est une couronne de chez Action, mais j'en ai plus beaucoup. Donc, voilà, voilà pour ça. Alors, j'ai pris ceci pour tester. J'ai pris de la colle... en spray. Dites-moi si vous l'avez déjà utilisé, si ça fonctionne bien ou ce que vous en pensez. Ça coûte 1,99€. Je ne l'ai jamais testé, j'avais envie d'essayer. Alors, bon, rien à voir avec le scrap, mais si vous êtes fan de chips, il y a ceci en nouveauté au niveau du rayon chips et c'est goût pain à l'ail. Donc, rien à voir avec le scrap, mais je voulais vous le montrer, étant donné que j'ai craqué dessus. Et combien coûtent les chips? €1,19. Alors, vous voyez des petites boîtes. Bon, je ne vais pas toutes vous les présenter. J'ai pris, il y a une rose, une bleue. J'ai pris une blanche et j'ai pris une verte. Car il faut absolument que je retrie mes découpes. Et je me dis que, voilà, bon, il y a pour, évidemment, pour les grandes découpes, ça ne va pas. Mais pour les petites découpes, je les trouvais pas très hautes. Elles se ferment. Donc, j'en ai pris 4 comme ça. Je sais qu'elles coûtaient vraiment pas cher du tout. 39 centimes la boîte. Et on en arrive à quoi? Tadam! Aux nouveautés. Enfin, en tout cas, pour moi. J'ai trouvé les Glitter 3D Drops. Et il y a 6 couleurs. Donc... Ici, vous avez le vert pailleté. C'est 99 centimes le pack. On a dans les dorés.
Bon, il faut que je les teste, hein, mais je me dis, s'ils fonctionnent, au pire, je les utiliserai en peinture, mais... Ici, on est dans le... C'est pas vraiment bleu, c'est limite gris, en fait. Bah oui, c'est vraiment... Le rendu, vous l'avez plus ou moins à la caméra. On a le bleu. On a le rose. Et on a le mauve. Moi, honnêtement, le violet mauve, enfin, de toute façon, aucun, je les avais jamais vus. Alors, est-ce qu'ils disent quelque chose de spécial? 2 x 40 ml, perles de décoration pour des projets de loisirs d'artisanat. Bon, ben voilà, on n'en saura pas plus. C'est à tester. Donc, voilà, j'étais bien, bien contente de tomber... là-dessus. Maintenant, je vais faire en une seule vidéo, et là vous m'excuserez, je n'ai absolument pas les prix. Je vais mettre pause parce que je vais quand même ouvrir les colis, mais je vais switcher sur quelques articles que j'ai reçus de chez AliExpress. Donc si ça ne vous intéresse pas, arrêtez-vous là tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis le haut l'action en premier. Pour celles que ça intéresse, je reviens et je vous présente les quelques articles que j'ai reçus de chez Tonton Ali. A tout de suite. Me revoilà. Bon, je suis comme un labour, donc j'ai testé les drops. Donc, voilà. Je vous avouerai que c'est plus facile de faire un plus gros qu'un fin, mais par contre, je voulais vous montrer, parce que j'ai failli faire une cata, vous devez ouvrir le pot, et ouais, évidemment, celui-ci, la deuxième opercule reste calée. Bon, on va prendre un autre. À l'intérieur... Ah ben décidément, alors c'est les autres. En fait, vous voyez ici à l'intérieur, vous avez un petit rond en caoutchouc. Certains pots, quand vous ouvrez, tout vient avec. Donc celui-là, vous devez bien le laisser dedans, parce que sinon, vous n'arrivez pas à faire des drops. Il faut juste enlever cet opercule-ci, et puis vous refermez. Pour les deux premiers que j'ai testés, le petit rond que je vous ai montré à l'intérieur est venu avec. Et donc, je vais juste vous prévenir de faire attention. Du coup... Je teste en live celui-ci. Je n'ai pas fait descendre. Voilà. La pointe est assez grosse, donc faire des petits drops me paraît compliqué. Mais par contre, ils sont mieux. Vous voyez, ils tiennent quand même en hauteur comparé aux autres qui n'étaient pas top. Donc, voilà. Contente de mon achat et de ma nouveauté. Bon, hop, ça va sécher. Alors maintenant, je switch réellement sur AliExpress. J'ai pas les prix, mais en fonction des articles, vous vous doutez que c'est toujours quelques centimes. Donc, j'ai reçu ceci. Enfin, j'ai commandé ceci. Je pense que ça doit faire à vue de nez un mètre. Hein. C'était vraiment quelques centimes. J'aimais beaucoup l'effet toile de jute avec la dentelle sur le côté. Donc voilà, en fait là, tout est arrivé en même temps, parce que tout vient de chez le même vendeur, ce que je vous présente ici. Alors, j'ai recommandé tout un tas de petits nœuds. Oui, je sais, vous pouvez les faire à la fourchette. Il y a plein de tutos, mais bon voilà, c'est vraiment hyper tentant, prix où ça coûte, de les avoir tout fait pour mettre sur les créas. Alors, pour celles qui me suivent, vous savez que je suis en train de faire ma collection... de distress oxyde, et puis vous allez me voir acheter des encres pas chères. Mais écoutez, ces encres là, je les aime beaucoup, tout simplement pour ancrer les contours des cartes, les contours de vos die cuts, etc., etc. Ils sont très bien, très pigmentés, ils coûtent deux fois rien, donc oui, j'achète ces pattes d'encre là essentiellement pour ça. Ça me permet d'épargner un petit peu justement les encres plus chères. Pour faire les contours des cartes, ils ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si c'est juste pour ancrer, franchement, je vous le conseille. J'ai acheté, je vais le mettre sur quoi pour que vous voyez bien, voilà. J'ai acheté ce dice fleur avec les petites feuilles. Donc, à tester. Je pense que lui était un petit peu plus d'un euro, mais pas très cher. J'ai acheté ces petits coins en bois parce que je n'en avais plus beaucoup. Et différents modèles de petites clés. Alors, hop, je vais essayer de vous les montrer. Alors,
Il y a ça, il y a ça. Il y a celle-là qui est différente. Il y a ça. Est-ce que j'ai tous les modèles? Bon, je pense qu'il y avait 5 modèles. Oui, voilà. Ouais, du coup, vous allez les avoir à l'envers. Je ne suis pas douée. Hop, hop. On les retourne. Ce sera mieux pour vous. Donc, voilà. Chaque modèle. Et en tout, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc, à mon avis, j'ai 2 modèles de chaque. Donc voilà, je rangerai après. Et dernier article que j'ai acheté, c'est un ruban. Vous ne voyez pas bien avec le sachet. Désolée pour le bruit. Et je vous dis, c'est vraiment le haut improvisé. Donc voilà. C'est une dentelle comme ça. C'est une matière toute douce ici en dessous. Avec des perles. Et c'est aussi, comme ils disent, un yard, c'est un petit peu plus d'un mètre. Donc voilà. Eh bien voilà, écoutez, vous avez eu mon petit haul à l'arrache, mais franchement, si vous les trouvez, prenez-les. Je suis contente du résultat et je voulais absolument vous montrer ces nouveautés. Voilà, elles ne se réaplatissent pas, donc je ne regrette pas du tout mon achat et j'espère, je ne vais pas dire vous inciter à aller chez Action parce que ce ne serait pas sympa de ma part, mais en tout cas, je suis contente de vous avoir présenté ces petites nouveautés. Sur ce, je vous fais plein de scrap bisous, comme d'habitude, à gauche, à droite, mon compte Instagram et Facebook. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous!